wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Bien, salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 sur Next Gen pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo d'information, je vais vous parler de la semaine des amis au placé. Alors encore une nouvelle fois, une semaine de double RP et de double GTA de là sur GTA Online qui se terminera le 25 février 2015. Alors vous aurez la possibilité de vous faire du double RP, du double GTA de là sur les contacts différents. Alors profitez de votre carnet d'adresses rempli de criminels en tout genre et récoltez le double de dollars GTA et de RP tous les jours lors de la semaine des amis haut placés dans GTA Online. Chaque jour jusqu'au mercredi 24 février dans GTA Online, un contact différent vous offrira le double de GTA dollars et RP lorsque vous terminerez l'émission qu'il vous enverra sur votre e-fruit. Et préparez-vous pour le grand final du jeudi 25 février où toutes les missions de contact seront doublées. Alors voici le planning de cette semaine si vous voulez gagner un maximum d'argent et un maximum d'RP. Le vendredi 19 février, les GTA dollars et les RP seront doublés sur toutes les missions de Simeon, mais les GTA dollars seront doublés sur toutes les demandes d'import-export de Simeon. Donc vous savez, c'est les petites voitures que Simeon nous demande de récupérer dans la ville. Si vous les récupérez, que vous les amenez, vous gagnerez le double de l'argent, et ça c'est une très bonne chose. Le samedi 20 février, GTA dollars et RP doublés sur toutes les missions de Ron, plus 50% de réduction sur les blazers. Alors vous pouvez profiter de moins 50% sur les blazers. Le dimanche 21 février, GTA dollars et RP doublés sur toutes les missions de Trevor, plus 50% de réduction sur les bidons d'essence. Alors je sais qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser les bidons d'essence, mais là vous pouvez vous faire un gros kiff et bidonner tout le monde avec de l'essence. Voilà, vous badigeonnez la ville d'essence et vous avez moins 50% sur les bidons d'essence. Donc voilà, ça se néglige pas. Lundi 22 février, GTA dollars et double RP sur toutes les missions de Martin, plus 10% de réduction sur les appartements sur Piloti. Alors ça, c'est encore une nouvelle fois une très très bonne chose, moins 10%. Alors c'est pas grand chose, mais pour les personnes qui ont un budget très restreint, vous devrez vraiment profiter de ces 10%. En plus, si vous faites les missions de contact avec les GTA dollars et RP doublés du vendredi, du samedi et du dimanche, lundi vous aurez suffisamment d'argent pour pouvoir vous acheter une maison sur Piloti si jamais vous ne l'avez pas. Mardi 23 février, GTA dollars et RP doublés sur toutes les missions de Lester, plus 25% de réduction sur les services de Lester, donc la police ferme les yeux, effacer un indice de recherche, etc. Mercredi 24 février, GTA dollars et RP doublés sur toutes les missions de Gérald, plus 50% de réduction sur les pistolets mitrailleurs et les pistolets automatiques. Alors je pense qu'on a déjà toutes les armes sur GTA Online, mais pour les personnes qui les auraient pas, bah vous aurez ces armes à moins 50%. Jeudi 25 février, GTA dollars et RP doublés sur toutes les missions de contact de GTA Online. Alors vous devriez vraiment profiter de ces semaines de double RP et de double GTA dollars, car je pense que Rockstar va nous sortir un gros DLC à la fin de toutes ces semaines d'événements. Et nous avons aussi des promotions sur les munitions et les protections toute la semaine, 50% de réduction sur les munitions pour fusil, 50% de réduction sur les protections par balle, 25% de réduction sur les grenades et 25% de réduction sur les bombes collantes. Alors je vous conseille vraiment d'en profiter. Alors si vous avez besoin d'aide ou de conseils sur 5 des missions de contact les plus difficiles de GTA, vous pouvez consulter ces astuces. Alors je vous mettrai le lien dans la description. C'est Rockstar qui nous donne quelques astuces sur des missions de contact pour les réussir plus facilement afin de nous aider à gagner un maximum d'argent. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.